Plus tôt dans la journée, des agents de sécurité ont pris 250 000 euros cash dans un coffre-fort. Un fourgon blindé a assuré le transport de cet argent jusqu'à notre plateau, placé sous haute surveillance. Ces 250 000 euros vont être confiés à un duo de candidats. Leur défi maintenant, les garder. 8 questions, 250 000 euros cash ce soir. C'est peut-être votre vie ou votre argent qui va basculer. Bienvenue dans Money Drop. Et je suis ravie de vous accueillir sur le plateau de Money Drop. Devant moi, il y a 250 000 euros cash, 50 liasses d'une valeur de 5 000 euros chacune. Ces 250 000 euros, je vais les donner à deux candidats dès le début du jeu. À eux de tout faire pour les garder jusqu'au bout. Accueillons tout de suite Chloé et Marion. Il y a un petit air de famille. Un tout petit. Alors, le lien de parenté. Bon, on est sœurs jumelles. Oh, ouais. Hein. Nous sommes deux sœurs jumelles. Les sœurs. Qui est Chloé? Présente. Et Marion. Vous ressemblez beaucoup. Je suis un petit peu plus jolie, Laurence. Bah non, on peut pas dire ça. On peut pas dire ça. Non, vous pouvez pas, vous avez pas le droit de dire ça. C'est bien, c'est sympa pour moi, vous êtes un peu coiffée différemment. Comme ça, je vais pouvoir vous reconnaître. Alors, vous venez d'où, toutes les deux? Moi, je viens de Lyon. Oui. Moi, j'habite en région parisienne. Très bien, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis prof de PS. Bien. Et moi, graphiste. Ok. Qu'allez-vous faire des 250 000 euros? Donc, on a encore un peu le temps, mais on veut faire une grosse, grosse fête pour nos 30 ans. Bien. Donc au Maroc, dans un riad ou ailleurs, mais loin de la France. Avec les copains, les proches, la famille, avec tout le monde. Tiens, Chloé et Marion, voici 250 000 euros. Ils sont à vous. Mais pour combien de temps? Jouons tout de suite à Money Drop. Voici les deux catégories pour la première question. Alors, à la cave, conjugaison. À la cave, c'est le vin, c'est... Oui. Tout ce qu'on boit, et Laurence, on vous annonce que Marion et moi, on ne boit pas. On ne boit pas. Que de l'eau. Même pas de soda, même pas de vin, rien du tout. Mais vous buvez... Ah oui, L'eau, du jus de fruits, des softs. Donc, on n'est pas du tout calé à la cave, et conjugaison, ça nous inspire. Ça nous inspire. Conjugaison. Allez, c'est parti. Allez. On verra, quoi. Quatre possibilités de réponse. Juin. Tuin. Nous oignons, ils oindent. Voici la question. Laquelle de ces formes conjuguées du verbe oindre à l'indicatif est incorrecte? Donc incorrect, ça veut dire fausse. Ils oindent, Chloé, c'est juste. E-N-T à la fin, ils oindent. C'est bon. Pardonnez-nous, Laurence, on répète la question. Oui, allez-y. Laquelle de ces formes conjuguées du verbe oindre à l'indicatif est incorrecte? Ils oindent. C'est correct. On conjugue E-N-T. Nous oignons, on ne sait pas trop. Tu oins, c'est juste. Donc on ne sait pas. Et on ne dit pas je oins, mais on dit je, tu, il. Oui. Il n'y a jamais eu de verbe où... J'agis. Donc on ne sait pas, on met sur A, sur C. Sur on A et C. Oui. Donc, est-ce que tu le sens plus? Nous oignons. Nous oignons, je le sens bien aussi, nous oignons. Mais il n'y a pas une histoire d'oignon, oignon. Donc on éliminerait quoi, moi. On éliminerait quoi? Tu oins, ils oindent. Ils oindent, ouais. Tu oins. Oui, ça on élimine. On élimine, on répartit. Donc, sur nous. Qu'est-ce oignons. Que tu penses qui est incorrect? La A, joint. Non mais ça ne se dit pas oignons. Je oins. On dit joint. Parce que joint, je tu oins, ils oins. On contracte normalement. Nous oignons. On met plus sur la. Elle est incorrecte. On met sur joint. Non, je suis en plus elle. Allez, on répartit et on verra. Moi je pense que c'est le nous oignons qui est incorrect, Chloé. Le N, le G, le G. Nous oignons. Ouais. J'ai combien? Joint, c'est bon. C'est bon, joint, ouais. Oui, on oui. met plus là. On met plus là. Mais est-ce que t'es sûr? Dépêche-toi. C'est bon, allez, 24 secondes. Allez. 24 secondes. On met et après on se recule, on réfléchit. Il y a combien là? Vas-y. On met plus, on met 100. Non? Joint, comment tu le sens? Oui. Laisse là. 205? 45? Mets un petit peu là-bas. Puis après on réfléchit un peu. Allez, viens. Bien. 3. Bien. Soignons, tu moins. Donc, pour vous, alors, si je comprends bien, pour vous, nous oignons, c'est incorrect. Oui. Ça serait quoi, alors? À la place, joignons, dans le verbe joindre, c'est oint. Du même verbe. Joindre. Joint, tu oins, il oint. Joindre.
Je joins. Tu joins. C'est joint qui est incorrect. Par exemple, eh ben, donc là, c'est le verbe oindre. Oui. Si nous avons le verbe joindre qui existe. Oui. Joindre. Je joins. Joins. Tu joins. Nous joignons. Vous joignez. Je pense que oignons, nous joignons, c'est bon. La C est bonne. Oui, on a dit la C est bonne, la D est bonne. Donc on met kiff-kiff sur la A et la D. Vous voulez bonus temps ? Oui. Est-ce qu'on est... On se met dans les starting blocks. Bonus temps, allez-y. Allez, go. Tu vas là-bas, Chloé. Allez, vas-y. Vas-y, vas-y, tu vas là-bas. Vous faites pas mal, hein. Tu vas là-bas. Là-bas. Touche pas. C'est bien. Eh ben... On a réussi. On a réussi. C'est ce qu'on voulait, on savait pas. Donc là maintenant c'est entre joint et tu oins. Oui. Nous oignons, ils oignent, tout ça c'est bon. Vomis sont enregistrés, combien de liasses allez-vous sauver? Vérifions. Ce n'est pas joint. Ça, c'est correct. Ce n'est pas nous oignons, bizarrement, hein. C'est correct. C'est entre tu oins et ils oignent. Vous avez dit tout de suite, ça, ils oignent, c'est bon. Bah, de toute façon, il n'y a pas d'argent là. Alors, allez-vous vous perdre sur cette question et rentrer chez vous maintenant? Vérifions. Reprenons le verbe joindre. On ne savait pas. Non, mais si, vous le saviez. Comment vous dites ? Ils joignent. Ouais. Ils joignent. Eh ben voilà, ils oignent. Ils joignent, mais pas ils oindent. Vous n'avez pas été jusqu'au ouais, bout du il au plus. Vous étiez en train de conjuguer un verbe qui était. Bon, qui avait à peu près les mêmes consonances. Et ça ne vous a pas choqué ? Bah si, en fait, pardon, je t'ai influencée. Non, peut-être. pas du tout. Non, non. On les minait dès le départ. On est un petit peu triste parce qu'on aurait aimé vous garder vraiment bah, plus longtemps. Bah oui, mais vous aussi, Laurence, nous aussi. Bon, ça fait un passage éclair, je suis désolée. On est passage éclair. À bientôt, merci d'avoir rencontré. Merci. C'est merci. Adorable. Merci. Merci, Laurence. Rentrez bien. Bon, eh ben voilà, Chloé et Marion sont tombés dans le piège des trappes et n'ont pas pu sauver leurs 250 000 euros. Accueillons dès à présent de nouveaux candidats, Christelle et Claudine. Comment allez-vous ? Vous allez bien ? Bonjour. Qui est Christelle ? Enchantée. Qui est Claudine ? Je suis Christelle. Claudine. Le lien de parenté ? On est cousines. Voilà. Petite cousine, cousine par alliance, germaine. Par alliance, ouais, voilà. Par alliance. Cousine et puis amie, avec une grande affection. Amis, voilà. Depuis très longtemps bah, depuis quelques années déjà. Quelques années. Ouais. On ne les compte plus parce que voilà, bon. Le temps passe. Ouais. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis sophrologue magnétiseuse. Wouh! Toujours bon à voir dans son carnet. Oui, ça fait du bien. Du bien. Et vous? Moi, je suis en création d'entreprise. D'accord, voilà. Ouais. Très bien. Ouais. Vous venez d'où? J'ai pas demandé. Rennes, la Bretagne. Ouais, la Bretagne. Ça, c'est génial. Toutes les deux? Beau, ouais. Ah ouais, ouais. Puis Rennes, c'est super. Ouais, hein. Pour venir faire un petit tour. Mais je connais Rennes. J'ai joué à Rennes. Ah ouais. Oui, je connais. Qu'est-ce que vous allez faire des 250 000 euros? Ah là là. Bah alors, moi, je compte m'acheter un appartement, carrément, une maison. Enfin bon, c'est possible, hein, ça peut se trouver. Ah oui, c'est possible, d'accord, très bien. Et puis un voyage à New York avec mon fils. Ok, et vous? Eh ben moi, comme je suis en création d'entreprise, ça fera un bel apport. Et puis je voudrais m'acheter une petite voiture rose, je ne citerai pas la marque, mais enfin bon, voilà. Ah, moi j'adhère totalement au projet, hein, franchement. Alors il faut que tout l'intérieur soit rose aussi, parce que sinon ça fait pas style. Non. Alors, Christelle et Claudine, voici donc.
250 000 euros, ils sont à vous, mais pour combien de temps? Jouons tout de suite à Money Drop. Merci. Vous vouliez magnétiser l'argent? Ah oui, bon, ah bah, oui, Laurent. Allez magnétiser l'argent. L'embrasser même. Oh là là. Voilà. C'est la bonne. Ah bah oui, là c'est un peu. Ça commence par là. Ouais. Ça donne des émotions. Ok, voici les deux catégories pour la première question. Alors, Miss France Mobilier. Bah vous qui voulez, vous achetez un appartement. Miss France ou Mobilier? Alors, mobilier, je suis très mobilier, moi. Mobilier, hein, moi j'adore. Je pense que je me sentirais plus à l'aise. Années 70, parce que les Miss années, France, je les connais pas toutes. Et puis après, si ça dépend peut-être de l'année. Ouais, bah, non, est-ce que vous regardez Miss France déjà? Une fois tous les 10 ans. Pas tous les ans. Voilà. Bon. Voilà. Pas tous les ans. Mobilier. Allons-y, ce mobilier. Ouais. Mobilier. Mais oui, allez, mobilier. Quatre possibilités de réponse. Lingère. Aumônière. Bergère. Bonnetière. Question. Laquelle de ces propositions désigne un fauteuil? Alors, laquelle de ces propositions? Alors, moi, comme ça, je pars sur la bergère. Bon, alors, la bonnetière. La bonnetière, c'est tout petit, avec des petits tiroirs. C'est plutôt un meuble. Hein. C'est un petit meuble. C'est un petit meuble. L'aumônière, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est quelque chose qu'il y a dans le couvent ou dans les monastères. Oui, ça doit être quelque chose qu'on trouve qui vient de là. Moi, c'est pas un fauteuil. Voilà. Non. C'est pas un fauteuil. La lingère. Bah non, c'est la lingère. Oui, ça. Ouais, voilà, ça fait. Donc, hein? La lingère, non. C'est dans la lingerie. Donc, on ne se repose pas. On y va. On met tout sur. Bergère, hein. Allons-y. Allez. Mettez-les bien sur la trappe bleue, parce que si c'est sur le bord, ça ne va pas comptabiliser. Voilà. Hop, bien mis. Voilà. C'est bon, là. C'est bon. Ouais, hein, Est-ce que vous voulez arrêter le chrono? Non, on va aller jusqu'au bout. Non, mais je pense qu'on est d'accord. Hein. La bergère, c'est un petit fauteuil. La lingère, c'est pas pour nous. L'aumônière, donc, au couvent, c'est pas pour nous. C'est la bergère. La bergère, la bonnetière, non. 4. Vous avez un bonus temps, voulez-vous changer d'avis? Non, je crois qu'on est. On ne change pas d'avis, Laurence. Très bien, votre remise est enregistrée, c'est un tout rien sur la bergère. Si c'est la bonne réponse, on passe directement à la troisième question. Vérifions. Absolument, la bergère c'est un joli fauteuil. À l'aumônière, je sais pas où vous êtes parti vous, mais pas du tout. Non, l'aumônière c'est la petite bourse qu'on porte à la ceinture, mais parfois on a des petits sacs comme ça, on dit c'est une aumônière. Mais je pensais que c'était forcément du mobilier. C'était bien pratique d'ailleurs. Et la lingère, effectivement, est une femme chargée de l'entretien du linge. Oui. Voilà, ou une armoire où est rangé le linge, rien à voir avec le fauteuil. Chers téléspectateurs, pour tenter de remporter 1500 euros dès ce soir, répondez tout de suite à cette question. Envoyez ABC ou D par SMS au 7-14-14 ou appelez le 36-80. Bon, nous passons directement à la troisième question avec 250 000 euros et vous avez toujours votre bonus temps. Voici les deux catégories. Tous ensemble, oiseaux. Oiseaux, tous ensemble. Alors, moi je trouve que tous ensemble, tous ensemble, c'est un beau concept. Et puis, c'est large, ensemble, c'est la communauté, c'est tout. Et oiseaux, je connais pas grand chose en oiseaux. Voilà, parlez-moi. Bon, alors tous ensemble alors. Les tourelles. Tous ensemble. Hein, tous ensemble. Allez. Tous ensemble. Voilà, tous ensemble. On est tous ensemble. Quatre possibilités de réponse. 27, 28, 29. 35. Ah, tiens, c'est pas la même chose. Allez, question.
À ce jour, combien y a-t-il d'États membres de l'Union européenne ? À ce jour. À ce jour, hein. Alors, j'en ai pas... Bon, le chiffre qui me vient, c'est 28. Mais vraiment, j'en ai absolument aucune idée. Sincèrement, je n'en sais rien. On est 27, bah 27 c'est sûr, puisque ça accède plus mal. 35, ça me paraît beaucoup. 35, ça me paraît beaucoup. Oui, 35, ça me paraît beaucoup. Voilà, écoute, sincèrement, j'en ai aucune idée. Je ne sais même pas comment réfléchir là sur ce... Moi, j'hésite entre 28 et 29. 28 et 29, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on répartit, équitablement ou bien... On répartit d'abord sur 28 et 29 et puis après on voit. Et puis après qu'est-ce qu'on pense ? Bah écoute, allons-y. Hein, c'est comme ça ? Voilà, bah, là c'est vrai que j'en ai absolument... Alors on répartit, ça fait combien ? C'est... voilà, là... Qu'est-ce qui s'affiche ? Voilà. 120. Allez. Voilà, c'est moitié-moitié. Non, vraiment. Voilà. Ça fait pas moitié-moitié. Non, mais ça fait pas... Ah non, mais si. Non, vraiment. Voilà. Donc, on répartit. Voilà. Je pense que. Voilà. Hein. Alors, 28 ou 29 ? 28 ou 29 ? 28 ou 29 ? Vous avez un bonus temps, voulez-vous l'utiliser ? Est-ce que tu veux utiliser bonus temps ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si on l'utilisait, ce serait pour changer un peu la mise. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que le 27, ça pourrait être... est-ce que ça pourrait être aussi 27 ? C'est vrai que c'est des chiffres qui sont très proches. Alors, c'est vrai que c'est... Les chiffres sont effectivement très proches. Sincèrement, je ne sais pas. Peut-être 27. Alors, est-ce qu'on répartit sur 3 ? Est-ce qu'on répartit sur 3 ? Respiration, ouais, réflexion. Moi, c'est... On respire. Voilà. On reste sur 2, on va sur 3, on se décide. Moi, c'est 28 qui me vient, mais voilà. C'est 27, ça me parle aussi, hein, quelque part. Voilà. On reste sur les 2. Les 3, ils me parlent. Voilà. Alors, les 3 me parlent aussi. Je ne sais pas, mais je crois qu'il y en a un qui est rentré dernièrement, donc c'était peut-être... Est-ce qu'on reste sur les 2 ? On se décide. On reste sur les 2, on se reste sur les 2, on reste sur notre première idée. On reste sur les deux ? On reste sur notre première idée. Allez, okay. On reste sur notre première idée. Ok. Ok. Vos missions enregistrées, combien de liasses allez-vous sauver ? Vérifions. Ce n'est pas 35, il n'y avait rien sur 35, ouais. Il y avait 125 000 euros sur 29. C'est un peu risqué ce que vous avez fait parce que, effectivement, ce sont des chiffres qui sont très proches, ouais. Et vous ne saviez pas trop si 27, 28, vrai, 29, et vous avez choisi de ne rien miser sur 27. Il faut absolument que ça soit 28 pour continuer. Vérifions. Pays à y être entré est la Croatie en juillet 2013. Oui, c'est ça. Bon, eh ben, c'était risqué. Hein. Oui, on a pris un risque. Ouais, c'était risqué. Vous devez encore répondre à 5 questions. Voici la 4e avec un bonus temps toujours. Voici les 2 catégories. À la bibliothèque ou bien ça glisse ? Ouh, alors, à la bibliothèque. Eh ben, ça doit être les livres hein, certainement. Les bibliothèques, endroits... Voilà. Et puis ça glisse, des sports de glisse certainement. Hein, tout ce qui glisse. Tout ce qui glisse. Les sports d'hiver, les snowboard. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on choisit ? Je sais pas.
La glisse peut-être. Ouais, ça glisse. Puis du coup, c'est fluide. Allez, on va dire. Glisse. On va c'est glisser sur ça, le. Voilà, on va sur la confiance et puis sur le voilà. Ça glisse. Ça glisse. Ça glisse. Ça glisse, Laurence. Voilà. Quatre possibilités de réponse. Bronze, bois, granit, basalte. Question. De quoi est fait le palais de curling utilisé aux Jeux Olympiques? Ouf. Bon, palais de alors, curling. Alors, bronze, bois, granit, basalte. Bonne alors, question. Alors, bonne question. Curling, bronze. Bon. C'est un palais, donc le palais de curling, c'est quoi le palais de curling? Vous avez déjà vu du curling? Ben, on a déjà vu. Oui, enfin, oui. C'est oui. Il y a une piste et puis avec un. Oui. Oui. Bah, elle a vu. Elle connaît bien le curling, voilà. Visiblement. Alors bon, c'est pas en bois, le bois. Moi, je pense pas que ce soit c'est en bois. Assez lourd. C'est pas ça qui. Alors, voilà. Le granit. Le granit, bah, c'est peut-être trop dur, non? C'est frité, ça peut se casser peut-être facilement. Le granit, c'est un bon. Granit, ça s'effrite le granit. Ben oui, je pense, oui. Tu crois que nos maisons sont en granit en Bretagne? Oui, ça oui, s'effrite, mais bon, ouais, bon, voilà. Je pense que si ça tombe un bout de granit, ça peut se casser. Bon, moi, à mon avis. Alors, d'accord. Basalte, bronze. Bronze, c'est quand même plus solide, hein. Ouais, ouais, donc ouais. Pour un palais bronze, en bronze, moi, ouais, ça, ouais, moi ouais, j'hésite ouais. Entre le bronze et le basalte. Le bronze, ouais, le basalte, moi, ça me dit bien. En fait, je sais pas trop ce que c'est comme matière, mais non, non plus. C'est quoi cette matière, basalte? On y va. On met beaucoup sur basalte et puis on met moitié. On met sur bronze. Bronze et basalte. Bronze et basalte, c'est ok. Ben, écoute, allez. Déjà comme ça. Alors. Ça, t'en es à combien, là, toi? Moi, je crois qu'il m'en manque. Tiens, voilà. Hein? 50-65, ramène-en. Voilà. Voilà, ça fait 65 et 60. Ça fait. Voilà. Ça fait 65. Moi, je mettrais plus. Sur... Tu mets un peu plus? Ouais, Enfin, 60. Ça fait. Voilà. 65. Comme ça, on fait moitié-moitié. Vous avez un bonus temps, est-ce que vous souhaitez changer quelque chose? Là, vous avez réparti équitablement. Ouais. Voilà. Alors, bon, le granit, c'est vrai que je me pose encore la question par rapport au granit. Oui, effectivement. C'est un risque de prendre le bronze, le basalte. Le basalte, ouais, je ne sais pas trop ce que c'est. Ouais. Bah, le granit, granit, c'est marrant, ça ne me parle pas en même temps. Ouais, et puis moi, le bronze, ça ne me parle pas plus que ça non plus. Bon. Alors, je ne sais pas, est-ce que... Alors, est-ce qu'on fait... on laisse sur basalte comme ça et on met moitié bronze et bah, moitié granit. Allez, d'accord. On fait, vous voulez le bonus temps? Ouais, on va prendre le bonus temps. Bonus temps. Allez-y. Voilà. C'est bon là? Oui, c'est bon. Vos mises sont maintenant enregistrées. Il y a maintenant de l'argent sur le granit. Combien de liasses allez-vous sauver? Vérifions. Le palais de curling n'est pas fait de bronze ni de bois. Ça se joue entre le granit et le basalte. Voilà. Pour bien faire, il faudrait que ça soit le basalte. Oui. Parce qu'il y a 65 000 euros sur cette trappe. Allez-vous continuer le jeu avec 30 000 ou 65 000? Vérifions. Ça ne marcherait pas bien avec le basalte qui est une pierre un peu poreuse, alors que le granit, ça marche. D'ailleurs, le palais de curling s'appelle la pierre. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et ça pèse plus de 19 kilos. Ah oui, voilà, oui. De granit. D'accord.
Et c'est une pierre qui vient d'Écosse. Donc reprenez vos 30 000 euros. C'est beaucoup d'argent perdu, oui. Mais oui. Heureusement, le bonus temps vous a oui. permis de remettre un petit peu d'argent sur le dernier, parce qu'il n'y en avait pas. Oui. Nous arrivons à la cinquième question. À ce stade du jeu, vous remportez un autre bonus temps. Que voici. Vous n'avez plus que 30 secondes pour miser. Voici la cinquième question et les deux catégories. Dans la mythologie 1980. Alors, bon, tout de suite, ce qui me vient, moi, c'est 1980. Bon, c'est dans... large aussi. La mythologie. Écoute-moi, le voilà, la mythologie, tu connais rien du tout, toi. Non, la mythologie, non. Voilà, enfin, c'est du mythe pour moi, on va dire. C'est du mystère, ouais, voilà. 1980. Bon, bah, écoute, ça me, pourquoi pas. Ça me parle plus. 1980, et toi bah, ouais. Pourquoi pas, la mythologie. Voilà, les années 80 en même temps, moi, c'est des allez, années que j'aime bien. Alors, que ça dit 80 ? 80. Oh. Les années 80. 80. On y va. Quatre voilà. possibilités de réponse. Elle préfère l'amour en mer. Couleur menthe à l'eau. Gabi au Gabi, mon fils, ma bataille. Vous connaissez ? Oui. Ouais. Question. Tous ces tubes sont de 1980, sauf un. Lequel ? Alors, lequel ? Alors, lequel mon fils, ma bataille. Alors, lequel n'est pas de 1980 ? Ouais. Lequel eh ben, n'est écoute, pas de 1980 Alors, elle préfère l'amour, alors, elle donc, préfère l'amour en mer. C'est la ville, ça, Philippe Laville. Philippe Laville, voilà. Couleur menthe à l'eau, c'est Woolsey. Woolsey, Gabi au Gabi. Non, c'est Eddie Mitchell. Couleur menthe à l'eau, c'est Eddie Mitchell. Gabi au Gabi, c'est Bachung. Bachung et mon fils, ma bataille, Balavoine. Donc, Gabi au Gabi et mon fils, ma bataille, je les laisserai en 80. Oui. Et en fait, les deux, là, j'hésite vraiment entre Couleur menthe à l'eau. Couleur menthe à l'eau, elle préfère l'amour en mer. Alors, elle préfère l'amour en mer. Et ouais. Couleur menthe à l'eau. Couleur. Alors, Eddie Mitchell, années 80. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On répartit sur les deux ou bien Couleur menthe à l'eau. Je pense qu'il faut continuer à réfléchir. Voilà, poser. Voilà. Voilà, donc peut-être. Moi, plutôt que c'est. Que c'est quoi. Philippe Laville, moi, les années Laville, 80. Parce que. Ouais, ça comment Eddie Mitchell, Couleur menthe à l'eau. Ce serait avant Ce serait avant les années 80. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avant, mais tout. On a récupéré un bonus. Qu'est-ce que vous voulez faire alors? Donc 1980, ouais. Eddie Mitchell, Couleur menthe à l'eau, c'est quand même vieux. Hein, c'est, tu penses que c'est plus vieux, toi ? Bah, Couleur menthe à l'eau, c'est quand même une de ses. C'est ouais, ton premier répertoire, oui, quand même. Hein, donc, années 80, on est en 2000. Par rapport à ta date de naissance, est-ce que tu. 70, je suis née en 68. Donc, on avait 12 ans en 80. On avait 12 ans. Donc, est-ce que. Couleur menthe à l'eau, est-ce que de 12 ans, il y avait le film là avec la couleur menthe à l'eau, donc c'était. Oh là là, ça corrobore bien tout aussi. D'un coup, moi, je me dis, mon fils, ma bataille, j'avais pas 12 ans quand c'est sorti, mon fils, ma bataille, c'était plus tard. Oui. Mon fils, ma bataille. C'était plus tard, mon fils, ma bataille. En fait, je me dis que j'étais ado quand mon 16, fils, 17 ma bataille, ans. Ouais, 16, 17 ans, ouais, non ouais, ouais, à peu près. Ouais. Donc. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On met tout sur mon fils, ma bataille. Oui, allez, je pense. On met tout ? Oui, allez. Qu'est-ce que vous faites, bonus temps ? Une petite seconde, s'il vous plaît. Okay. Bien sûr. On est un peu perdu, là. Donc, On met tout sur mon on fils, met tout ma sur. Mon... Allez. Bonus temps ? Bonus temps. Bonus temps. Bonus temps. Allez. Votre mise est enregistrée. C'est un tout rien sur mon fils, ma bataille. Si ça marche, on passe directement en septième question. Allez-vous nous quitter maintenant ? Vérifions.
couleur mentalo, c'est, bah, c'est 80. Et puis Gabi ou Gabi, c'est 80. Bon. Alors, ça se joue entre Mon Fils, Ma Bataille et Elle préfère l'amour en mer. Il y avait de l'argent sur Faire l'amour en mer. Il n'y en a plus. Tout est sûr, Mon Fils, Ma Bataille, maintenant. C'est un tout ou rien. Allez-vous nous quitter maintenant? Vérifions. Nous le saurons dans un instant, juste après la pub. Demain, nous connaîtrons le gagnant des 15 000 euros et surtout celui des 150 000 euros. Pour tenter votre chance, répondez à cette question. Envoyez Aoudé par SMS au 7-14-14 ou appelez le 36-80. Le gagnant des 15 000 euros sera contacté demain. Bonne chance! De retour sur le plateau de Money Drop avec Christelle et Claudine, cousines et amies. On parle de tubes de 1980, très précisément. Et là, c'est un tout rien sur Mon Fils, Ma Bataille. C'est un tout rien, donc c'est risqué. Allez-vous tout perdre maintenant et nous quitter? On n'espère pas, mais vérifions. Mon Fils, Ma Bataille, alors qu'elle préfère l'amour en mer, 85. Ah Philippe. Bon, eh oui, ben Philippe, voilà. Hein, il nous fait des surprises. 85. Oh là 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 là. Merci, merci d'être venu. Bon retour à Rennes. On vous laisse repartir, on est désolé. Alors Christelle et Claudine sont tombées malheureusement dans le piège des trappes. Elles n'ont pas pu sauver leurs 250 000 euros. Accueillons dès à présent de nouveaux candidats, Eric et Sandra. Bonsoir Laurent. Oh là 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 là. J'ai perdu un tympan. Comment vous... Ça va? Très bien, bonsoir Eric. Sandra, vous êtes ravissants tous les deux. Merci. C'est avec plaisir, vous êtes ravissante également. Très ému de vous rencontrer. C'est une émotion intense, là, j'ai le cœur qui pourrait le pète comme ça, lève sortir de ma poitrine. C'est vrai? C'est grave. Ah, oui. Mais ça vous fait cet effet-là, et pourquoi mais très c'est ému? Ben, c'est Laurent parce que c'est Coccolini. Vous, c'est vous, moi, voilà. Oui. Ah, il faut le savoir. Bon, alors, le lien de parenté. On est jumeaux, mais faux jumeaux. Bah, ça se voit, non? Même elle a été réussie, j'ai été ratée. Voilà. Mais un petit peu de décalage. Non, c'est une de mes meilleures amies, voilà. On s'est découvert en rentrant dans une compagnie aérienne dont je tairai le nom, bien sûr, et ça fait 11 ans bientôt qu'on se connaît. D'accord, vous faites quoi dans la vie? Moi, on est navigant, personne navigant commercial, steward. Voilà. On s'est jamais vu, donc. De l'air, bien sûr. On s'est jamais vu sur des vols. Pas encore. On serait souvenu. Oh, bah, bon, vous venez de quelle région? Paris 19e. D'accord. Paris 16e. Oh, pas bien. Qu'est-ce que vous allez faire avec les 250 000 euros? Alors moi, je vais partir à Bali avec ma petite famille, mes deux petits bouts et puis mon mari. Mm-hmm. Et puis sinon, bah, je vais partir en lune de miel avec mon cher Étambre. Oui. Et sinon, me faire greffer un cerveau, tout dépend de... Oh, mais non. Mais chérie, si t'es bas comme t'es. Voilà. Et moi, bah, greffer un cerveau. Non, moi, je vais dilapider les 250 000, parce que bien entendu, je vais gagner, nous allons gagner les 250 000 euros. Non, j'ai envie de me faire plaisir. Et faire plaisir, voyage, sortie, fête, enfin, voilà, avoir de l'envie de dilapider notre argent parce que c'est chouette, c'est fait pour ça, non? Bah, je suppose, je sais pas, oui, je pense. Allez hop, Eric et Sandra, voici 250 000 euros, ils sont à vous. Oui, on peut aller faire. C'est une femme, que voulez-vous? Elle a besoin de toucher cet argent-là. Oh là là. Dis-toi que ça, dans une heure, chérie, c'est à nous. Mais j'espère bien. On espère. Et pourquoi vous parlez avec l'accent québécois tout le temps? J'adore cet accent, là, parce que ma petite cousine, c'est Céline. D'accord. Je suis fan de Céline Dion, là. Je savais pas.
Alors, il est à vous, mais pour combien de temps? Jouons tout de suite à Money Drop. Voici les deux catégories pour la première question. Alors, vous avez un bonus temps. Une recette. Laurent vous le dit. Bon, alors. Une recette. Qu'est-ce qu'on fait, une recette? Une recette en cuisine, bah, moi j'adore bouffer, mais après les recettes. Bah, c'est pas ce que vous servez dans les avions, j'espère. Je suis pas. C'est pas gentil, mais une grosse part de vérité. Pardon, passons. Et Laurent Voulzy, toi t'es forte en chanteur. Et Laurent Voulzy, c'est à. Ça me parle plus que la recette, ouais. Laurent Voulzy? Allez, Laurent Voulzy. T'es ok pour ça? Je suis ok. Laurent Voulzy. Que l'on salue. Laurent, si tu nous vois, je t'aime. Quatre possibilités de réponse. Les carottes, le soleil, le fond de teint, la lune. Question. D'après une chanson de Laurent Voulzy, qu'est-ce qui donne la même couleur aux gens? Alors, les carottes, on oublie. Je suis sûre que c'est pas les carottes. C'est quoi? Tu sais de la chanson? Moi, je sais le titre de la chanson. C'est le soleil. Ouais. Le soleil donne la même couleur aux gens. Le soleil donne le fond de soleil. Un joli fond de teint et la lune. Qu'est-ce qu'on fait? On élimine les carottes. On y va, c'est parti. On dispatche pour l'instant, chérie. Qu'est-ce qui donne la même couleur aux gens? Relis bien la question. Qu'est-ce qui donne la même couleur aux gens? C'est le soleil. Le soleil donne la même couleur aux gens. Tu as raison, mais oui, complètement idiot. Allez. Mais oui, Doudou, tu as raison. Doudou, d'amour, tu as raison. Mais je suis débile, c'est pas possible. Les Antilles, tout ça. En plus, c'est une autre patrie, en plus, du Canada. C'est pas possible, ça. J'adore. Alors, on réfléchit bien. D'après une chanson de Laurent Voulzy, qu'est-ce qui donne la même couleur aux gens? Eh bien, le soleil. En plus, je chante. Quel nul. La même couleur au sang. Blond, pas blond. Voilà. Faux jumeaux. Mais oui, c'est bien. On le voit. 2000%. 2000%. 3, 2, 1, go. Bon. Alors, vous avez un bonus temps. Voulez-vous changer d'avis? On se le refait. Le soleil donne la même couleur aux gens. Le soleil donne. Parce que la lune. Non, Laurence. Donc, je vais mettre mon fauteuil comme ça. Pourquoi, Laurence? Pas maintenant. Bon, allez-y, chantez. Le soleil donne la même couleur aux gens. Il manque le maracas, Laurence. Ne retourne pas pour des voix comme ça. Non, qu'est-ce qu'on fait, Doudou? On se reconcentre. Bon, alors, le soleil, c'est 2000%. Le soleil, c'est 18%. 2000%, on reste comme ça? On reste comme ça. Ok, votre mise est enregistrée. Avez-vous eu raison de prendre autant de risques sur la première question? Vérifions. Et réponse en musique. Le soleil donne la même couleur aux gens. La même couleur aux gens. On est fort. On va y arriver. Alors, vous devez encore répondre à 6 questions. Voici la 3e, puisqu'on oublie la. Pas ma faute, hein. Alors, Xavier adore ça, il va remettre les 250 000 euros dans la valise, il adore. Oui, il nous la donne, hein, mais c'est pas pour problème. La partie continue demain, nous saurons si vous arrivez à sauver votre argent et battre les trappes de Money Drop. Bonne soirée à tous sur TF1. Et pour que nos candidats du jour puissent continuer à s'entraîner, nous leur offrons la boîte de jeu Money Drop. C'est demain que vous pouvez tenter de remporter la super cagnotte de 150 000 euros. Pour participer au tirage, répondez correctement à cette question. Envoyez A, B, C ou D par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Bonne chance, à demain.